Hey hey hey, bienvenue sur Max Gaming et merci de nous retrouver. On se retrouve aujourd'hui, ça fait beaucoup de fois le mot retrouver, mais je trouverai une formule sur Star Wars Jedi Fallen Order. Donc le tout nouveau jeu Star Wars et on est ici sur la planète Zepho. Voilà, c'est écrit en haut à gauche. On est sur la planète Zepho, on vient tout juste d'arriver. Notre vaisseau est juste ici, il a eu un petit peu de mal à atterrir, il y a eu du vent. Si vous avez vu la fin du dernier épisode. Et on y arrive ici et on doit trouver un peu ce qu'on va faire. Donc on va déjà ouvrir ça pour prendre des objets. Ah. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça résonne, hein ? Une nouvelle apparence pour BD1, mais c'est génial. Alors est-ce qu'on peut changer les apparences ? Ah ! Ah, regardez ! Là il était comme ça, là il... Oh, bleu, oui j'adore. Ah, mais attendez, ça change beaucoup plus, parce que ça change juste la couleur, mais ça... Ouh, c'est joli. Eh bien, j'ai bien envie de le mettre. Je sais entre celui-là et celui-là. Il est bien en rouge quand même. Mais là, il sera plus voyant. Donc, on va le mettre en jaune. Petit robot tout jaune, regardez. Oh, comme il est mignon. Est-ce que je peux changer ma tenue? Oui, alors, veste. Alors, en poncho, j'ai le fait... Oula, ok. Et ça... Non, on va garder ça plutôt. Voilà, voilà. BD1, Mantis... Oh, regardez, je peux aussi personnaliser mon vaisseau. Alors, le contenu premium, c'est parce que j'ai acheté l'édition de luxe du jeu, et du coup, il y avait ça débloqué. Eh bien, on va le mettre jaune, hein, pour aller avec BD1. Par contre, pour le sabre laser, on ne peut pas faire ça ici. Il faut aller sur un atelier. Alors, on va aller par là. La porte est verrouillée de l'autre côté. Eh bien, très bien, c'est pas grave, on va pas en faire une maladie, hein. On va chercher un autre accès, c'est pas un problème. Ah, il est beaucoup plus visible comme ça, notre petit ami BD1. DB1, BD1, on commence par un B. Alors, je vois une petite colline, oh là là. Mystérieuse cette planète aussi, hein. Beaucoup de montagnes, de la neige, du vent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, ça va... Ah, j'ai cru que ça allait bouger, mais non, c'est nous qui devons aller là. Oh, oh, je crois que ce sont des ennemis. Des créatures hostiles. Ben, c'est un Stormtrooper qui sont en train de découper, là. Eh oh, eh oh! Arrêtez! Calmez-vous! Ouh! Non, mais je me protège, là. Hop, hop. Protège-toi. Voilà, et attaque. Foulou-linou. Bon, ils m'ont quand même bien eu, mais... Ah, on va scanner. J'aime bien scanner pour remplir ma base de données. Foudidoudidou. Stormtrooper, Stormtrooper. Des impériaux. Ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ah, mais attendez, ça résonne parce que j'ai oublié de baisser le son de ma télé, donc ça faisait écho. J'espère que ça va mieux comme ça. Désolé. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Petit problème technique qui est maintenant réglé. Désolé pour l'écho que vous avez entendu. Ah! On tape. Ah! Ah oui, s'ils sont plusieurs à m'attaquer en même temps. Tiens, tiens, tiens! Je vais pas me faire avoir par un. Eh ben si, je me suis fait avoir! Oh! Alors, d'accord, moi je me suis lancé dans ce jeu en me disant ça va être un jeu Star Wars comme les jeux Star Wars d'avant, c'est-à-dire on y va, poum poum poum, pam pam poum. Bon, faut dire aussi que j'ai mis la difficulté normale, mais en même temps je veux jouer normal, je veux du défi parce que sinon ça va être trop facile. Et puis surtout, je crois qu'il y avait quelque chose de moins dans la difficulté précédente, enfin plus basse. Genre il manquait des bonus, enfin je sais pas quoi. Mais alors, il faut vraiment se protéger, quoi. Faut vraiment. Je vous promets que je vais m'améliorer, hein. Là, j'ai l'air nul, mais je vous assure que je joue mieux que ça d'habitude. C'est juste que voilà, faut que j'appréhende ce jeu. Faut que j'apprivoise ce jeu, pardon. Oh, regardez-moi l'eau juste, j'ai été choqué par l'eau. Je sais, je m'extasie peut-être pour rien et qu'il y a sûrement d'autres jeux qui... Ah, les piles de votre manette sont faibles. Bon, j'espère que ça va durer le temps de cette vidéo. Il y a peut-être d'autres jeux qui ont de l'eau mieux faite que ça, mais moi, je trouve ça magnifique et j'adore. Et je le dis, c'est mon avis. Et ça ne regarde que moi, tout simplement, voilà. Puis les traces de pas dans la neige, je trouve ce jeu magnifique et ça fait plaisir de voir un magnifique jeu Star Wars, une belle aventure solo, un univers comme ça géant. Alors. Ah! Oh là! On l'a découpé! Tiac! Et ben voilà! Vous voyez, là je me suis pas fait toucher une seule fois. Ça, c'est ce que j'appelle de la maîtrise. Oh, mais on n'avait pas été là-bas tout à l'heure! Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut scanner. Ben, on scanne. Qu'est-ce qu'il y a? Matraque?
Super. Est-ce qu'on peut ouvrir? C'est verrouillé. Oh non! Pas grave. Oui! Pouf. Allez, on y retourne. On va s'occuper des trois petits garnements là qui nous ont bien embêtés. Cette fois-ci, leur compte est bon. Tiens. Tiens. Hop! Vas-y, attaque-moi. Hop! Il y en a un troisième? Tu veux venir? Allez, attaque-moi. M'en fiche, parce que je te frappe ensuite. Voilà! Pas un seul petit coup. Eh ben écoutez, ça c'est de la maîtrise de la force. C'est un skaz. Alors on va aller par là. Parce qu'il y a une grotte mystérieuse. Pouf! Mais regardez-moi cette beauté quoi, le sabre qui sert de lampe. J'adore. Oh, quelque chose en haut. Mais je n'y ai pas accès. C'est fâcheux. Non. Je suis tombé dans la crevasse. Oh, non, 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 pas deux fois. Alors, on était en vie ici. Eh ben, il faut avancer doucement par là. Oui. Aha. Ressentir l'écho. On va peut-être apprendre... Pleurs de bébé. Il y avait quelqu'un qui vivait là avec un petit bébé. Mère s'est servi de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Cachette. On a trouvé une cachette. Et on est monté sur le dessus là. Oui. Oui, je vais pouvoir les récupérer. Ce que je ne pouvais pas les récupérer dans cette boîte. Et il s'agit... Bip tout les bip. De Steam. Ah! On peut en prendre plus? Merci, BDA. Trois! Pourquoi on n'a pas trois? Ah, si, voilà, on en a trois. Eh ben, ça, c'est plutôt cool. C'est génial. Puisque les Steam donnent de l'énergie. Et c'est toujours utile. Bon, je crois qu'il n'y avait que ça à récupérer ici. Donc, on va continuer l'aventure. Et je crois qu'on va aller par là. Oui! Allez, on va monter par le toit. Bien sûr, maintenant, on a déverrouillé ça. Donc, pouf, pouf, pouf. Hop! Quelle beauté. Et... Par là. Oui! Pouf. J'adore sauter. Oui! Pouf. Non, mais c'est ouvert. Alors, on va déverrouiller la porte, peut-être? Voilà. Raccourci débloqué. Et les Stormtroopers? Bonjour. Hé! Allez, tiens. Tiens. Hop là, voilà. C'est bizarre ce pouvoir de renvoyer les balles. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il va encore scanner, celui-ci? Bah vas-y, mon petit. Scan, scan. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Attention. Ah, mais on peut lire. Attendez. Cette zone est interdite d'accès. Code impérial 94364. Interdiction de vendre ou d'échanger. Ok. Bah, c'est ce qu'on va faire. Oh, oh. Non, je rigole. Je crois qu'on peut... Non. Je crois qu'on pouvait grimper par là. Oh, oh. Mais c'est magnifique. Village abandonné. Je suis choqué. Waouh. Attendez, on se croira dans un film. Mais attendez, la prochaine génération de consoles, ça va être quoi? I am shocked. Allez hop, toi tu te calmes. Oh, génial. Oups. Bonjour. Et hop. Allez, un petit coup. Oui, oui. C'est génial. Alors attendez, il y a un ennemi là-bas, on va essayer de l'avoir par le haut. On va sauter. Oui. Bim. Bonjour. Hop! Tiens! Et bim! Il y en a un autre qui veut jouer avec moi là? Je suis un Jedi, tiens! C'est génial! Ça y est, je commence à maîtriser mon sabre là, la technique, tout, tout, c'est bon. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, oh, mais t'es là toi! Et. Bim! Hop là, il faut contrer pile quand il nous attaque et comme ça on peut faire une super attaque. Voilà! Oupti poupou! Alors, on va scanner ça.
Un scout trooper. Allez, on avance dans le village abandonné. Pas si abandonné que ça. Hop là. Il faut des réflexes. Mais j'en ai eu. Il y en a d'autres? Visiblement, oui. Bonjour. Ah, j'ai pas réussi à... Non, alors lui, il est plus dur. Tac. Hop là. Et bim. Ah non, il n'est pas mort. Il est un peu plus costaud, c'est tout, mais... Il ne nous résiste pas pour autant. Il ne faut pas rigoler non plus. Il a l'air plus puissant. Et il va s'appeler... Un commandant, Scout Trooper. Il n'est pas commandant pour rien. Allez, on continue l'exploration du village où naît. Abandonnez-nous naît. Non, j'ai pas encore ce pouvoir de courber les trucs. Donc vous voyez, en fait, il faudra revenir sur les planètes une fois qu'on aura débloqué d'autres pouvoirs. Pas pourboire. Puisque, bah, on pourra... Pouf. Ah ah. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ce ne sont que des mensonges. Avis d'expulsion. Les civils sont priés de se présenter pour relocalisation. Les pilleurs seront abattus. En accord avec le code impérial 94364, ni vente ni échange sans autorisation explicite. Cette propriété et ses dépendances seront désormais sous la protection de l'Empire Galactique. Sont désormais. Ok. Seulement ces terres. Qu'est-ce que c'est? Ressentir l'écho. Où est-ce que vous nous emmenez? Les impériaux ont capturé les villageois. Bah ils sont méchants. Les réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ils étaient là, tranquillement. Alors, est-ce que je peux grimper là? Nope. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Bonjour. Non. On va aller par là-bas. Je vois un petit stormtrooper. Bonjour. Allez, tire-moi dessus, tiens. Hop. Ah, mais attendez. Voilà. Alors, je vois un tuyau par là. Oh, on peut rentrer là. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y avait par ici? Ressentir l'écho? Méditer. Bah oui. Comme ça, ça va sauvegarder. Je vais me reposer en même temps. Je me repose. Un point de compétence disponible. Eh bien, allons l'utiliser sans plus d'attente. Attaque chargée. C'est... Ouais. Il en faut deux. Frappe sprintée. Ça, je peux pas par là. Augmente le niveau de force. Bah oui, on va augmenter la force. Allez. Ouh, pim. Comme ça, nos coups seront plus puissants. Oui. On y va. Ah, mais là, peut-être qu'on va sortir de l'autre côté, là. Ah non. Oh, on est où, ici? Oh, une boîte. Hop. Que cache-t-elle? Ah, il va carrément dedans? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un nouveau matériau de poncho. Ah. Ouh, alors, attendez. Non, mais je veux pas un poncho, moi. Je veux pas porter un poncho, il est beaucoup mieux comme ça. Quoi, ce poncho, là? Oula. Il est mignon. On fait attention à lui quand il sort de notre épaule. Enfin, quand il descend de notre épaule. Caisse de stockage. Des caisses de stockage robustes pour le transport de marchandises fragiles. Leur vêtement métallique est suffisamment solide pour résister au vent. Ah, on est là, donc. Ok, on va retourner là-bas. Et on va prendre le petit tuyau. Oui. Eh bien... Quand il sprint, hein. Poum, poum, poum. Allez. On y va. On va prendre ce tuyau-là. Hop. Oh oh. Ennemis, on approche. Ah bah. Ah bah donc ça remet tous les ennemis. Même ceux qu'on a déjà tués, quoi. Ah, super. Super, super. Tu vas voir. Bien compris. Jedi est touché. Je me replie. Non mais... Oui, bah tu vas voir. Donne-moi une capsule, merci. Hop, hop.
Je suis en colère. Et hop là. Ça suffit. Merci. Bon, maintenant, il faut que je remonte à cause de vous, là. Vous êtes malin? Vous êtes malin, hein? Ah! L'ennemi est en bas. Tiens-toi. Ah, non, il y a eux aussi. Bon, attendez. J'ai pas le temps pour vous. Moi, j'ai autre chose à faire. Merci. Oui, bah, cours après moi, c'est ça. Donc, en fait, ça remet tous les ennemis, même ceux qu'on a déjà tués, quoi. C'est un petit peu... Ils rigolent pas, quoi. Allez, on va par là. Je peux sauter, là? Oui! Oh, il y a une boîte, là. Et me tirez pas dessus pendant... Qu'est-ce qu'il y avait? Allez, tire-moi dessus. Hop! Voilà! Ah bah lui. Voilà. Oui, c'est moi. Oui, bah tiens. J'aimerais bien trouver un point de méditation, là. Je sais que ça va redonner... Ah. Je dois réparer quelque chose, d'accord. Ah, bah c'était là. Alors, on va aller par là. Je crois qu'il y a un point de méditation juste là. Ou alors, c'est un souvenir, mais je crois que c'est un point de méditation. Oui. Eh bien, c'est cool. On recharge donc l'énergie. Tac. J'ai sauvegardé ma partie. Et cela nous permettra de nous retrouver la prochaine fois dans la suite de cette belle, magnifique, géniale aventure. J'espère que ça vous plaît. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et toutes les notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo sur Max Gaming. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Bye!